Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar, porque cuando más te necesito, tú siempre estás. Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás, solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más. Que tú me das todo lo que llevo. Chemin de la tête, le chemin de l'amitié. Allez, Bob. Vas-y, Bob, tu peux le faire. Vas-y, Bob, 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 Bob. Bob, Bob, Bob. Je viens de boire à ton tour. Petit pouce en l'air si tu viens de boire. Je ne t'autorise pas à boire, je t'exige de boire. Bois, picole, bois de l'eau, bois de l'eau. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme. Moi je suis en pleine forme. Non, pff, je suis pas en pleine forme. J'ai une tête de fiac parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais on a le moral, on a le sourire et c'est ce qu'on cherche. Bam, on y va. Retour de course, les amis. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Oui? Vous avez vu tout ce qu'il y a? Allez, je vous explique, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Je suis allée à Intergrave, j'en ai eu pour 162 euros. On l'a récupéré aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi quoi? Lundi, c'est-à-dire Saint-Renaud, on sera le 5, 4, 3. Samedi 3, 3 février. Et je suis également moi-même allée à Intermarché parce qu'il me manquait plein de petits articles. Puisque aujourd'hui, je fais un drive spécial aussi un peu... test sans gluten sur certains articles. Si vous n'avez pas... Ouh là, je le refais, j'ai parlé vite, mais très bien sur une longue période. Vous pouvez m'applaudir comme ça. Mettez-moi des petits commentaires, des petites mains comme ça. Là. Je vous disais, il va peut-être y avoir un peu de bruit. Chien qui aboie, enfant, aspi, live life. Donc, hein, voilà, les rageux qui n'aiment pas les bruits de la vie, qui veulent des vidéos parfaites, c'est pas ici. Hein. Donc je vous disais, il y aura pas mal de tests. Donc je vous invite à suivre la semaine qui va venir là dans les vlogs, puisque je vais tout tester forcément dans les vlogs, je vais vous tenir informé des articles que je prends, et je pense que je vous ferai un topo. Je vais tenir une petite liste pour vous dire des nouveautés que j'ai pris aujourd'hui, là ce que j'en pense pour le prochain drive aussi. Ouais, je me suis dit ça, ça peut être pas mal. Pourquoi maintenant tu veux tester des trucs sans gluten, machin? Alors, je ne suis pas allergique, je suis peut-être... intolérante quand je prends beaucoup de choses à base de gluten. Je dis bien peut-être parce que c'est que des suppositions et c'est ce que j'aimerais voir via les prochains drives qui vont venir. Pourquoi, si vous avez suivi mes vlogs, j'ai énormément de douleurs abdominales. Abdominales et encore, ouais, on va dire que ça fait comme un peu des règles douloureuses par moment et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes gastriques, ventre, ballonné, gaz, etc. Même si je sais que là, je vais être dans la période du mois où on est sujet à être un petit peu plus fragile au niveau de ça, ça fait des mois et des mois et des mois que je vous dis souvent « Ah là là, j'ai mal, ah là là, nanana ». Bon, première chose, je suis allée acheter des probiotiques, je vais faire une cure de probiotiques. De deux, je vais essayer de réduire tout ce qui est laitage et également fromage pour mon cholestérol, puisque j'ai fait une prise de sang qui me disait que j'avais du mauvais cholestérol. Mais j'avais pas outre ça, j'avais pas d'autres trucs qui faisaient en mode signal d'alerte. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai lu, j'ai regardé un petit peu sur internet et il y en a beaucoup qui suggèrent de faire attention à tout ce qui est à base de gluten. Honnêtement, on n'en a pas spécialement besoin dans notre organisme d'avoir trop de gluten. Donc c'est vrai que moi je mange pas de pain au quotidien. Il y en a qui achètent leur baguette de pain tous les jours et qui peuvent pas s'en passer, moi j'ai de la chance non. Donc voilà, j'ai pas une alimentation qui fait que je devrais avoir un ventre aussi volumineux, aussi gonflé que je l'ai vu dans cette petite vidéo là de jeudi, je vous la mets juste ici. Vous allez voir un gros bide en mode mais elle attend un quatrième. Mais non, non, c'est pour vous dire à quel point. Donc je vais mettre ça en place. Si je vois que ça fonctionne et tout, la prochaine fois que j'ai l'occasion d'aller chez mon médecin traitant, je lui en causerai de mots et je lui dirai voilà, j'ai fait ça et ça en place, ça m'a réussi. Soit je continue comme ça ou soit j'aurais peut-être aimé avoir un avis d'un gastro-entérologue. Ça se dit comme ça? Un gastro quoi. Pour voir un petit peu, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache. Je vous remercie de vos commentaires, vous avez été nombreux à commenter cette vidéo dernièrement parce que vous êtes nombreux, j'aurais pas cru, mais qu'il y a autant d'allergies alimentaires. Donc voilà, je prends tous vos conseils. J'essaye de, voilà, de maximiser mes chances et je vous en remercie parce que c'est quand même grâce à vous. Grosse intro, mais il fallait que je vous explique le pourquoi du comment parce qu'il y a plein d'articles qui sont nouveaux, on va pouvoir tester, ça met un petit coup de vibes comme ça.
Donc ouais, j'ai mis tout comme ça. Je trouve ça sympa. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a plus de place pour mettre l'appareil photo. Et puis du coup, si je le mets comme ça, j'ai peur d'oublier des articles. Donc je vais ranger un petit peu aussi, un peu au fur et à mesure. Allez, on va commencer tout de suite. Attendez, et je vais vous emmener un petit peu comme ça quand même. Je vais me mettre des barrières. Des limites. Il faut des limites. Des limites. Allez, on va commencer par là. Alors, j'ai pris deux pavés de truie. Oh non, bah c'était trop beau. J'ai pris pavé de truie. Pavé de truitas. J'en ai pris deux. Je vais y mettre là. Je vais mettre là comme ça et quand c'est trop empilé là, je bascule. On va faire comme ça. J'ai pris du pavé de truite. À la fin de la vidéo, je vous dis les menus. Hein, parce qu'il y a plein de petites nœuds. Hein. Voilà, donc là je veux. Hein, voilà. J'ai pris des crevettes et des Saint-Jacques. Bon, j'ai pas pris lourd. Parce que bah, du coup, il n'y a que moi qui vais en manger. Donc voilà. Voilà pour tout ça. J'ai pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 6 courgettes. 6 courgettes. J'ai pris ça, je vais le mettre direct au frais. Il n'y avait plus celle que je prends d'habitude, donc j'ai pris de la Happy Family 600 grammes version familiale bébé de Charles. J'ai pris, alors je me suis plantée, c'est moi. J'ai pris normalement de l'eau parce que bah, j'en voulais un peu plusieurs. Il y avait une promo sur les bananes bio, elles étaient pratiquement au même tarot que les bananes classiques. Donc autant en prendre du bio, hein, voilà. Donc j'en ai pris deux de base. Mais en fait, j'ai marqué deux fois le lot. Donc ça m'a fait 4. Par contre, celui-là, je ne l'explique pas. Donc je vais regarder sur... le machin, mais je ne l'explique pas. Écoutez, j'espère qu'ils aiment les bananes. Après, il y en a des bien vertes, donc tant mieux. Mais ouais, voilà, il y a pas mal de bananas. J'ai pris des endives, donc ça, c'est parce que j'ai fait des endives au jambon, n'est-ce pas? J'ai repris un brocoli. J'ai pris des petits radis. J'ai pris des petits carottes, j'ai pris trois gros poireaux, pareil, petite promotion sur les gros poireaux, ça valait plus le coup de prendre la botte d'un kilo que de prendre par l'unité, voilà. J'ai pris des poires conférences, on dit, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 pour qu'on en mange déjà d'une comme ça et de deux parce que je vais faire une tarte à la frangipane poire. Voilà, Vincent en voulait une, donc je vais en faire une. J'ai pris deux mangues, et puis voilà, on va déjà enlever ça. Ça va nous libérer un petit peu le champ d'action. Oui, il va falloir que je me fasse confiance, parce que je peux pas faire ce que je voulais faire. Parce que si je range au fur et à mesure, Vincent, là, derrière, il est venu en mode « T'as bientôt fini ?» Ah bah non, ça fait pas 10 minutes. Donc je vais mettre trop de temps, donc je vais filmer et je rangerai après. En plus, il faut que je nettoie juste mon bac à légumes, mon frigo, j'ai nettoyé jeudi entièrement gagnant. Mais là, il faut que je nettoie mon bac à légumes, vous savez, je fais... un petit peu comme les personnes âgées, je mets le sopalin et tout dedans. Voilà, je suis de cette ancienne-là. Bref, allez, on continue. J'ai repris des knackis au porc. J'ai pris... Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas parce que moi, je vais faire... Oh, bah dis donc, je vais faire attention au gluten que toute ma famille va faire attention. Hein. Et c'est attention dans les grandes lignes. Il y a certaines choses que je teste dans mon quotidien à moi, que je consomme le plus. Hein, voilà, après, je vais pas non plus regarder dans tous les aliments, c'est du gluten, attention. Mais dans les grandes lignes. Voilà, je tiens juste à le préciser. Je ne suis pas allergique, je ne suis pas intolérante pour le moment, il n'y a rien qui dit que. C'est juste des suppositions et juste des tests. Je ne vais pas jouer avec ça parce qu'il y en a, il y en a qui vivent de ça, qui sont comme ça, qui ont des allergies. C'est imposé, c'est marqué noir sur blanc. Et franchement, malheureusement, je ne les envie tellement pas. Je vous waouh, waouh. Parce que franchement, si là je devrais regarder tout ce que je peux manger ou pas, si je serais intolérante au gluten, et ben, il n'y a pas grand chose, je pense. Donc franchement, force à vous quand c'est comme ça, ceux qui ont des allergies alimentaires, parce que. Déjà que moi ça me pompe le hein, DAR de faire des courses, trouver des menus machin et tout. Donc si en plus vous devez trouver des menus en fonction de ça, regarder, faire les étiquettes, franchement mes respects. Donc c'est pour ça, hein, voilà. Petit chorizo doux, tomate cerise, on a repris du comté comme ça râpé, j'ai repris le top budget. Comme ça, des mentales. J'ai repris deux boîtes de raviolis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pourquoi? Du mercredi midi. Mercredi midi, enfin à la maison. Donc voilà. Vincent, faire de rapidos, muchachos. Petite plaquette de beurre. J'ai pris du très robuste. Voilà. Petit fromage comme ça.
Voilà, ça fait un peu penser à du chaussée au moine. Je sais pas s'il sera aussi bon, mais voilà. Ensuite, alors là, j'ai pris plein de yaourts. J'ai repris des flambis comme ça. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. Et ma vie, quand elle les a vus tout à l'heure, elle m'a fait ce que les enfants, ils aiment bien m'aider à débarrasser. Juste mettre pas dans les placards, mais juste mettre dessus l'îlot. Et elle a fait, oh, j'adore ça, maman, t'en achètes jamais. C'est vrai, ma fille. Ensuite, je vais tester les petits endroits gourmands au végétal comme ça. J'adorais le Alpro Vanille. Mais des fois, je vais en avoir envie, je vais en manger pendant une semaine, comme des fois non. Et j'aime bien prendre des petites quantités comme ça. Là, il y avait une promo. Donc, je me suis dit que j'allais tenter les Andros. Je ne les ai jamais goûtés. Ça, c'est pour éviter un petit peu tout ce qui est lactose hein, dans mon quotidien. Je mange rarement de yaourt à cause de ça. Donc, je me dis pourquoi pas de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. C'est pareil, j'essaye de prendre l'alternative aussi de ne pas forcément terminer mon repas par une note sucrée. Parce que ça, c'est un peu mon péché mignon. J'aime bien terminer par une note sucrée. Et je pense que c'est typiquement rentrer dans les nerfs de faire ça. Alors qu'en vrai, forcément, une fois qu'on a fini notre plat, des fois, on n'a plus faim. Mais on se reforce à manger pour avoir la touche sucrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma touche sucrée, des fois, je ne vais pas la manger forcément à midi. Mais je vais la décaler, par exemple, vers 3-4 heures en mode collation. Et je pense que ça peut être pas mal parce que des fois en fait on se force à manger du sucré en fin de repas et je pense que c'est des habitudes qu'on prend, vous me direz en commentaire, mais voilà, donc du coup je me dis pourquoi pas des fois à 4h, genre, surtout que là je suis en stage donc je peux emmener un yaourt et tout, ça peut être pratique, ou même les midis, là je vais enchaîner 15 jours où je vais être pratiquement obligée de manger au travail le midi. Donc je pourrais m'emmener un petit yaourt ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. J'ai repris notre fameux Brie Top Budjas. J'ai repris des mousses liégeoises comme ça parce que bébé Raph il les adore de ouf. J'ai repris des petits Suisses, même si franchement, s'il vous plaît, si un jour je devrais poser un label là-dessus ou créer quelque chose, je vais aller dans toutes les associés. Pour créer quoi les gars? Des petits Suisses juste à la banane? Oui, parce que moi mes enfants ils sont comme moi, ils aiment le framboise et la banane. Donc du coup franchement vous devriez faire tout banane, mais ils font le Alpro banane. Apparemment, j'ai lu et vu que d'une d'entre vous avait acheté ça. Donc franchement, si un jour il y est, directos, j'achète. Parce que moi, franchement, ils aiment que ça. Et bon, bébé Raph aussi, il adore la banane. Mais bon, bref. Voilà, j'ai repris des yop comme ceci, soit qu'elles se partageront, ou soit pour le matin. Mais Léonie a aimé les Actimel, mais sinon, Actimel comme ça, hein. C'est entre 4 et 5 balles, les Actimel par 10, par 12. Et Maëvie n'aime pas, donc je me suis dit c'est quand même dommage. Il y a Bob qui va revenir, si c'est vraiment insupportable, j'arrêterai. Et j'ai repris les Vincent, bien sûr. Les yaourts à Vincent, là, la laitière à la vanille, il les adore. Et quand je suis allée à Inter tout à l'heure, oh mais il y en a partout, j'ai vu ça. Alpro faisait des petits formats. Du coup, je suis trop refaite. Je pense que c'est 10 fois plus pratique, même quand vous faites un muesli ou autre. Trop pratique, je suis trop contente. Ou même si je fais un gâteau yaourt. Et ben je peux prendre genre un truc comme ça, parce que vous allez voir dans Drive avant que je vois ça. J'ai acheté un Alpro Nature pour faire des gâteaux à base de, à base de yaourt là, ou mes sauces vinaigrettes. Vous vous rappelez, je me faisais beaucoup de sauces à base de yaourt à une période. Et il faudrait que je reprenne ça, ces habitudes là. Et ben, trop contente. Ça, it's nouveau les gars, it's nouveau. On est content. Bon, il y a Bob qui, donc là je vais peut-être au moins ranger ça. Je vais peut-être au moins ranger les yaourts. Je crois que le yaourt, j'ai fait le tour. Ah oui, bah il y a le Alpro Nature, du coup, aux amandes. Voilà, du coup, je me dis pour faire les yaourts ou même pour faire les gâteaux et tout, ça peut être sympa. Voilà, allez, je range ça et puis il y a Bob qui passe. Enfin, qui fait faire... Allez, je passe par ici. Bon, tout ça, je vous ai fait voir normalement. Je rangerai ça après. Du coup, petit parmesan. Hein, voilà, mais en râpé comme ça. Je vais faire du saumon en croûte au parmesan. Je sais pas si c'est exactement comme ça l'intitulé de la recette. Mais en tout cas, il en faut. J'ai pris du parmesan comme ça dans les salades, dans les pâtes et tout. C'est trop bon. J'ai pris, alors je vais tester. C'est de la marque Gerblé, du coup, sans gluten et sans lactose. C'est du pain de mie. Je vais goûter et je vous dirai si franchement c'est bon ou si c'est en mode qu'est-ce que c'est ce truc. Ça va jusqu'à quand ça? 29,04. 29 avril, oh, mais impeccable. D'accord. Donc ça, j'ai acheté des olives noires avec tomates séchées et normalement, voilà, une boîte de thon. Puisque je vais faire un cake thon, tomates séchées, olives. Voilà, je vous ferai voir la recette parce qu'il me semble que j'utilise justement des farines que j'ai achetées exprès
pour tout ce qui est gluten, etc. Là, je me suis totalement fait avoir à Intermarché. Je sais pas si vous avez déjà vu ce dessin animé élémentaire, il déchire. On l'avait regardé au Nouvel An avec Ben et Manon et on l'a re-regardé à la maison. Et du coup, quand j'ai vu qu'il faisait le petit verre, il fallait que je rachète de la moutarde et je me suis tout simplement fait avoir et je l'ai acheté pour Maëlie. Voilà, elle avait adoré, donc voilà. J'ai repris du maïs, ça c'est pour faire ce soir des... On va faire des tacos. Des tacos comme ça. Je vais mettre un peu de tomate, du maïs, de la salade, des oignons que je vais faire revenir un peu à la poêle et je vais me mettre dedans. C'est où? Bah ils sont là. Ouvrez les yeux. De l'avocat. Alors on va pas donner l'avocat mûr, hein, mais le problème c'est que les autres ils étaient vraiment trop pas mûrs. Moi il m'en faut un mûr pour ce soir. Donc voilà pour ça. J'ai pris de la crème et les bières comme d'habitude. J'ai repris du beurre demi-sel pour les enfants puisqu'elles adorent pour le matin. Mini bûche de chèvre, ça c'est pour l'apéro de ce soir. On va faire un mini apéro mais vous allez voir avec des choses plutôt saines. Donc du coup j'ai pris des baby carottes comme ça avec du petit boursin, impeccable. J'ai pris du jambon sans nitrite comme ceci. J'ai pris du blanc de dinde. J'ai pris de la mousseline. La base. J'ai pris deux trucs de fromage comme ça, de feta, puisqu'il m'en faut pour le cake, ton machin, nanana. Et il m'en faut pour une autre recette, je ne sais plus quoi, mais il m'en faut. J'ai juste repris 6 œufs puisqu'il m'en reste 6 dans le frigo, donc ça devrait suffire. Et au pire des cas, je m'arrêterai. J'ai repris mes petites galettes de riz comme ça, là. J'aime trop pour manger avec quoi. Je sais pas si vous connaissez, mais le matin, it's la life. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vais goûter. Voilà, je vous fais la meuf. Parce qu'en fait, il y en a un. Il est liquide et il y en a un, il est un peu crunchy. Mais normalement, je crois que c'est celui-là. Des fois, je me trompe et je suis deg. Je crois que c'est celui-là. Peut-être voir. Je vais vous dire ça tout de suite. En live, en direct live. Est-ce que... Ah non, c'est celui-là. It's my life, si vous aimez le beurre cacahuète. It's my life. Pour me taper tout le pot comme ça. Impeccable. Ça doit y avoir de l'allergène dans cette merde, non? Il devrait inventer une application. Parce que ça existe, hein. Pour tous ceux qui font des allergies comme ça, vous scannez, vous savez s'il y a du gluten dedans, quoi. Après, je pense pas qu'il y ait de la farine de je sais pas quoi là-dedans. Le blé. Bon, bref. J'arrive, Nala. Trop bon. J'ai acheté... Un truc hyper bon pour la santé aussi, du Nutella, impeccable. Mais bon, comme tout le monde, je vais faire dans l'originalité, on va faire des crêpes. Hein, voilà. J'avais racheté, il y avait une offre de découverte là. C'était moins cher que vous en preniez deux, ça faisait à peine moins de 2€ les deux. Donc ça valait le coup de vainer. J'ai acheté ça. Ça m'a trop donné envie quand j'étais au rayon sucre et farine et perdu comme ça, tel dans le néant. J'arrive Nala, attendez, je vois Nala. Je vous disais perdu dans le néant, je regardais et il y avait ça. Je vous connais, alors ça se trouve, vous allez me dire, non mais Manon, tu connaissais pas, pas du tout. Bio, sucre de fleurs de coco. Mais ça, les gars, franchement, ça a l'air trop bon. Dans les gâteaux, vous mettez ça dans les pancakes que je fais le matin là. Une petite cuillère à café de ça là. Hyper bon, je pense. Écoutez, dans les muffins et tout. On testera. J'ai acheté des pâtes sans gluten Barilla. Je me suis juste pris des coquilles. Il y a que moi qui vais en manger, donc voilà. Là, on a repris ça aussi, pépèze. Ça aussi, pépèze. Il y avait une offre spéciale. On a payé 8,90€ le gros format comme ça, de 1 litre. 8,90€. Donc, j'en ai repris un. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas acheté. Et j'ai repris... Là, le sueur comme ça pour tout ce qui est vinaigrette. Ça aussi, c'est le mal alpha, mais le mal. Le mal comme ça, il y avait une promo sur les tablettes de chocolat au caramel. Voilà, bon, c'est plus pour les enfants que pour moi, mais bon. Ça, c'est le mal. Voilà, je me suis fait avoir comme un pois chiche. Comme un pois chiche, je vois ça. Puisque j'ai acheté des petits chips comme ça, de pois chiche. C'est nouveau. Enfin, moi, je ne connaissais pas, mais moi, ça avait marqué nouveau dans mon drive. C'est aux oignons. Donc on va goûter ce soir. Et il me semble qu'il n'y a aucun gluten à l'intérieur. Et franchement, il faudrait que je compare. Je
regarderai dans le vlog parce que là ça va faire une éternité sinon, avec genre mes chips classiques, voir si c'est aussi calorique ou pas, parce qu'ils disent que c'est plus meilleur pour la santé machin là, là, là. Mais on verra, on va tester. Mais du coup pour ce soir ça, et pour aller dans le même délire, Bretz ont sorti des nouveaux trucs, c'est des cracks comme ça, saveur moutarde cornichon. Et pareil, si on en croit leur truc, ils disent que c'est 60% moins gras. Et pareil, normalement, il me semble qu'il n'y a pas du tout de gluten, puisque c'est à base de farine, de légumineuses, de pois chiches et de lentilles. Et de riz, maïs et pois cassés. Voilà, sans friture. Écoutez, on goûtera ce soir. J'ai repris de la sauce soja qui est sans gluten. Pareil, j'ai vu que ça s'était marqué, je me suis dit pourquoi pas. Puisque dans la semaine, je vais faire des... Roulé de printemps, voilà. J'ai repris, alors là j'ai repris la dose, hein. J'en ai pris deux. Deux Alpro vanille classique pour mon café le matin ou autre, les gâteaux ou autre. Et j'ai pris également lait d'avoine, mais ça sera plus pour les quiches ou tartes ou muffins, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, ou même les gâteaux yaourt, hein, nature. Donc j'ai acheté des galettes de riz comme ceci pour faire des roulés de printemps. Je pense jamais en faire et j'adore ça. Oignons frits, Maybe qui m'a réclamé ça sur le drive, impeccable. J'ai repris du riz, j'ai pris, mais oui, ça approche. Voilà, le 50 de Maybe, de la menthe fraîche, petit jus de pomme pour les enfants. Alors ça d'habitude je n'en prends pas puisque moi je suis aux culottes menstruelles, mais je vais avoir les vilaines et je ne veux pas, mettre mes culottes menstruelles au début. Sur mon lieu de travail, parce que vu la manutention que je fais, j'ai pas confiance en ma blouse blanche, étant donné que je me connais, je connais le flux. Donc si c'est pour être mal à l'aise et être mal toute la journée, parce que je vais me dire mon dieu j'aurai une fuite, vous allez me dire avec ça aussi, mais voilà, donc j'ai pris, parce qu'il y avait des promos, celles-ci, de Always, qui sont, hein, voilà, et j'ai repris des Tampax compacts, parce que pareil, des fois... Bah, j'en mets quand je vais à la pole ou ce genre de choses. Voilà. Je m'étouffe. J'ai repris deux trucs de dessert noir comme ça, puisqu'il me les faut pour l'école, pour les anniversaires. Donc nous, il faut qu'on emmène ça. Il faut qu'on emmène un œuf. Et c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. J'ai repris des pépitos comme ça. Maisy a adoré, elle m'en a redemandé. Donc j'en ai repris. Léonie a choisi ça pour cette semaine entre guillemets, parce que le placard à gâteaux est encore plein. Donc ça, j'ai dit que je le sortirai que quand ça sera vide. Donc vous voyez, des choses que je vais pas racheter la semaine prochaine, hein, normalement. Après moi j'ai trois enfants, hein, donc avec Raph qui mange maintenant. J'ai repris du sucre, là ça valait le coup, hein, de faire le plein dans les trucs de pâtisserie, puisque bah, y a comment ça s'appelle les gars, il y a les crêpes. Donc voilà, j'ai repris pour nettoyer le lave-vaisselle. J'ai pris de la maïzena parce qu'il y a pas mal de recettes que j'ai regardées qui sont recommandées avec de la maïzena, fleur de maïs, donc c'est sans gluten. J'ai repris du pain de mie pour la famille en mode complet comme ceci. Et là, c'est là où... donc ça, ces deux choses-là, je les ai achetées à l'inter. Et les deux autres choses, je les ai achetées dans un magasin bio parce que je ne trouvais pas. Je suis allée sur internet, j'ai regardé pas mal de recettes et tout. Et en fait, selon les recettes, c'est pas la même farine pour tout ce qui est sans gluten. Et en fait, selon la recette que vous faites et selon le, si c'est du sucré, du salé ou ce que vous voulez comme rendu, ils conseillent d'avoir plusieurs farines. Donc j'ai pris de la farine de complète de riz sans gluten, comme ça. Ça, vous pouvez le retrouver en grande surface. Alors, c'est pas donné, mais c'est entre 2 et 4 € le paquet. Là, c'était... 2,80 € quelque chose comme ça. Le truc de riz, c'était pas le plus cher, honnêtement. Donc j'ai pris ça. Ça, c'était un peu plus cher. Donc c'est de la farine de maïs. Qui dit maïs dit orangé. Donc par exemple, pour tout ce qui est muffin ou autre salé ou cake, ça peut être sympa de faire avec ça, je pense. Hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais voilà. Et j'ai pris du coup dans mon magasin bio carrément. De la farine mix à pâtisserie, c'est ma vie sans gluten, c'est vraiment une marque qui fait ça. Voilà, ce mélange s'adapte à de nombreuses recettes aussi bien sucrées que salées. Il garantit la réalisation de pâtes à tarte savoureuse, de crêpes moelleuses, de cakes légers, etc. Voilà, écoutez, c'était pas excessif, c'était pareil, c'était moins de 4 € le petit paquet. Alors, en sachant que c'est, ça va être pour mes trucs plus pour moi, hein, mes pâtisseries pour moi, hein, je vais pas m'amuser à faire. Voilà, et encore, si je pourrais. En vrai, si je pourrais, parce que sinon je vais mettre une éternité, je suppose que ça a des dates de péremption, ces petites choses.
je pense. Hein. Et j'ai pris, alors ça par contre c'était pas donné, c'était à 7,50€, quelque chose comme ça, un paquet de farine de châtaigne. Et apparemment, même sans parler de gluten ou autre, c'est hyper bon dans les gâteaux. Voilà, idéal pour les pâtisseries riches en fibres et tout. Donc, écoutez, on va tester. Après, au niveau calories et tout, ça, j'en ai rien à fiche. Hein. Je fais pas ça pour avoir une ligne comme ça. Hein. Parce que de prendre de la farine comme ça ou de manger sans gluten, ça vous fera pas maigrir. Hein. Voilà. Par contre, ça vaut. Moi, c'est pour tout ce qui est ballonnement et pour tout ce qui est. Tout ce que peut me permettre de manger sans gluten, tout ce que ça peut me, voilà, me rendre mieux. Je sais pas comment dire. Je trouve plus mes mots. Ah, j'avais un terme, je voulais le dire. C'est pas pour la ligne, c'est pas pour tout ça, mais en gros, je mange du gluten pour rééquilibrer mon intérieur. Hein. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si nous avons un pack d'épars, l'épars revient. Tant mieux. Un pack de Mondor et un pack de lait classique pour les enfants. Donc écoutez, par rapport à tout ce que j'ai, je trouve que de payer la somme qu'on a là, je dis pas que c'est normal, mais voilà, il y a des choses qui changent, donc forcément, voilà. Au niveau des menus, je cherche ma téléphone. Ah là là, c'est dans le sac. Hein. Alors, je vous dis les menus pour cette semaine. Attendez, donc du coup ce soir, nous sommes tacos, enfin taco family. Voilà. Moi, je vais faire des tacos, avocat, maïs, salade. Compoté de poivrons et d'oignons. C'était ça, la recette. Ça va être super bon. Demain midi, c'est endives au jambon. Pour Vincent et pour moi-même. Et gratin de coquillettes au chorizo brocoli pour les enfants. Demain soir, c'est cake au thon tomate feta avec une soupe. Lundi midi, pour ma part, pour ma gamelle, ce sera coquillettes brocoli Saint-Jacques au lait de coco. Lundi soir, reste du cake au thon et soupe. Les enfants, ce sera un hachis parmentier. Avec donc, pas maison, hein, purée mousseline, viande hachée, avec des haricots verts. Mardi midi, donc ça sera la même chose pour moi, viande hachée, purée mousseline, haricots verts. Mardi soir, rouleau de printemps, comme je vous disais. Bibou, pâte chinoise avec des petites carottes à croquer. Et Vincent, ce sera des poireaux knackis. Voilà. Mercredi midi, moi je finirai les rouleaux de printemps et les enfants mangeront les raviolis. Voilà. Le soir c'est pancakes, la courgette jambon fromage, voilà, ça va être super bon. Jeudi midi, saumon en croûte courgette riz. Le soir, poisson pané riz pour les enfants. Pour ma part, c'est une soupe avec un gratin de courgette jambon feta. Vendredi midi, gratin de courgette jambon feta, voilà le reste. Et vendredi soir, impro voire reste de la semaine. Voilà, écoutez, pour tout ça. Après, il nous reste toujours plein de restes pour le week-end, donc généralement je refais. Mais là, les menus, je les ai prévus jusqu'à vendredi. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vais ranger tout mon foin. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Je vous en donnerai de toute façon des nouvelles par rapport à tout ce que j'ai testé. Et puis, on va ranger cette petite chose qui est juste extrêmement très somptueuse. Voilà, codamment. Allez, je vous fais la bise. Ciao.